1, 2 et 3 sacs de course Primark. C'est pas un méga haul ça? Coucou les Silver! Aujourd'hui un méga haul de course Primark. Vous avez vu, 3 sacs. Non, enfin ça fait 3, ça fait comme ça. Ouais, j'ai craqué. Non, en fait, j'ai pas craqué. C'est que là, je devais habiller mon grand ado, mon fiston, n'est-ce pas? Parce qu'il grandit, il a plus rien qui lui va pour l'été. Et je me suis dit que Primark, c'était le bon plan, parce que vu les tout petits prix, quand ça grandit à cette vitesse-là, bah, avec Primark, on a plein de choses à des prix très intéressants. Bon, évidemment, quand on va chez Primark pour le grand garçon, on a la grande fille qui est là aussi, qui veut aussi des choses. Hein. Bon, forcément, vous allez voir, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et puis, ben moi, j'allais me prendre aussi 2-3 petits trucs, hein. Ouais, il faut bien se faire un petit peu plaisir aussi. Bon, allez, je vous propose de tout voir ensemble. Allez, on démarre. Alors, c'est parti. Allez, on y va. Un petit Bermuda comme ça, en matière molleton tout léger. Il n'est pas doublé, hein, c'est un molleton d'été. Voilà, c'est tout simple. Et il coûte 10 euros. Un deuxième Bermuda, vous voyez, là aussi à 10 euros, très pratique, poche derrière, poche sur les côtés. Mon fils est un joueur de tennis, donc ben, ça va lui servir tout l'été pour ses stages de tennis. Il va partir en tournée de tennis pour aller faire des tournois. Donc voilà, deuxième petit Bermuda, 10 euros aussi. Troisième petit Bermuda, celui-là, c'est toujours la même matière, vous voyez, toujours très pratique, grande poche, une petite poche derrière. Là aussi, vérifions. Là, c'est moins cher, 8 euros celui-là. Provision de Bermuda, hein, je vous l'avais dit. Un autre, voilà, celui-là est rouge corail, on va dire. Et celui-là, il est à 9 euros. Encore un Bermuda, vous allez me dire, ben ouais, il va partir pendant 15 jours, donc on va lui donner des choses. Ils vont pouvoir faire des machines à laver, mais ça sera bien plus pratique d'avoir plusieurs shorts, parce que quand on fait une tournée de tournoi de tennis, on se change plusieurs fois par jour. Donc encore un Bermuda, celui-là, tout beige, très sympa. Et il est, lui aussi, à 10 euros. Pendant cette tournée de tournoi de tennis, il est possible que le soir, ils sortent un petit peu, ils seront entre adolescents, bon, encadrés par les profs de tennis, bien entendu. Je vous ai à l'œil, les profs de tennis, hein. Attention. Hein. Mais bon, comme ils risquent de sortir un petit peu le soir, il leur faut aussi des tenues un peu plus habillées, on va dire des tenues casual. Donc voilà, en Bermuda, ouais, vous allez dire encore en Bermuda, sauf que celui-ci est en coton avec un petit revers en bas, bleu marine, tout simple aussi. Celui-là coûte 13 euros. J'avais oublié, il y a encore un Bermuda, vous voyez, il y en a plusieurs. Celui-ci est à 10 euros, il est bordé, il est bordeaux. Et vous voyez, c'est la matière qui est un peu différente. J'appelle ça du nid d'abeille. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une matière qui est très agréable l'été, qui sèche vite. Donc voilà, encore un petit Bermuda à 10 euros. Passons aux chaussettes. Oui, il est toujours à la recherche de chaussettes particulièrement. Bah, il va jouer au tennis, donc il va lui en falloir un certain nombre. Des chaussettes invisibles comme celles-là, elles sont très agréables à porter. Moi, j'ai les mêmes dans une taille beaucoup plus petite. Hein. Donc les 5 paires sont à 5 euros. Autre chaussette, celle-ci, elle ne s'arrête pas à l'intérieur de la chaussure, mais juste au-dessus de la cheville. Là aussi, c'est pour mettre dans des chaussures de tennis. 3 euros, les 5 paires. Très, très bien. Pas cher. Encore des chaussettes. Ici, les 5 paires aussi, qui sont à 3,50 euros. Un tout petit peu plus cher, parce que avec des dessins, des motifs et des couleurs. Monsieur grandit du pied, une nouvelle paire de tongs. Alors là, le prix défie toute concurrence. 1,50 euros la paire de tongs. Bah, elle fera l'été, hein, voilà. On passe maintenant au t-shirt. Alors là, on a acheté tout un lot de t-shirts, vous allez voir. Ce sont tous des t-shirts qui sont comme ça. Alors celui-là, il est bordeaux avec le col légèrement en V, 4 euros. Un bleu marine avec le col rond, là aussi à 4 euros. Un bleu magnifique qui va aller parfaitement avec ses beaux yeux bleus. 2 euros. Ça vaut pas la peine de s'en priver. Hein. Un autre bleu un peu plus clair, un bleu ciel. Et celui-là est à 4 euros. Un t-shirt vert d'eau, là aussi clair, mais qui va aller parfaitement avec son teint. 4 euros aussi.
On en a fini pour cette série de t-shirts tout simples à 2, 3, 4 euros. Vraiment pas cher. Maintenant, t-shirt un peu plus fun. On a complètement craqué dessus. Celui-ci. Il est rouge, parfaitement dans la tendance, avec des imprimés tropicaux, vous voyez, avec un col rond. Et il est à 6 euros. On ne s'est pas ruiné non plus. Et le dernier t-shirt qu'il a pris, c'est celui-là. Alors là, c'est tendance complètement, avec un imprimé tropical, pile dans la tendance. Là, on s'est ruiné, il faut le dire, je dois le reconnaître. 8 euros le t-shirt. Vous ne pouvez pas y couper en ce moment. La Coupe du Monde de football. Alors, je me suis dit que cette petite paire de lunettes pourrait porter chance à la France. Aujourd'hui, ça a été le cas. Ils ont gagné aujourd'hui. Ça a été chaud bouillant, mais ils ont gagné. Donc, on va s'amuser avec cette petite paire de lunettes. Allez, la France! Et cette petite paire de lunettes coûte 3 euros. Et ensuite, il suffit d'enlever le motif qui est là et ça devient une paire de lunettes qu'on peut laisser traîner dans la voiture pour 3 euros. Hein. Ça peut toujours dépanner. Récemment, on a revu l'organisation de la chambre de ma fifi, de ma grande fille de 19 ans. Et donc, il a fallu acheter de nouveaux draps. Elle avait envie, vous savez, de ces draps d'hôtel en coton, très doux, un peu satiné. Donc, on les a trouvés chez Primark. C'est la collection qui s'appelle Primark Home. Vous voyez, c'est cette collection-là. Donc, on a acheté ici un assortiment avec une housse de couette et deux têtes d'oreiller. Donc, c'est blanc. Hein. C'est comme dans les hôtels, c'est blanc. C'est légèrement rayé d'un côté et complètement uni de l'autre. C'est exactement ce qu'elle voulait. Donc, j'ai pris la parure qui coûte 30 euros et ensuite un drap de dessous qui coûte 9 euros. J'ai du mal à m'y faire, des claquettes. Ouais, ma fille a craqué pour une paire de claquettes comme celle-là, avec des petites licornes. Ça va que c'était pas cher, hein. 5 euros la paire de claquettes. Je sais pas si je vais craquer encore cette année. Là, je vais avoir besoin d'un peu de temps, parce que pour moi, les claquettes, c'est pas super joli. Bon, c'est vrai que maintenant, ils en font avec de jolies décorations dessus, de jolis motifs. Mais par pitié, ne faites pas les claquettes chaussettes et encore moins claquettes chaussettes plus banane autour de la taille. Non, ça c'est pas possible. Je sais que c'est tendance, mais non. Bon allez, j'accepte les petites licornes de ma fifi. Parce qu'on en a toujours besoin, même si j'utilise des lingettes réutilisables, il y a des choses avec lesquelles j'ai besoin de vrai coton à démaquiller. Donc là, chez Primark, ils sont très bien. 75 centimes les 120 cotons à démaquiller, j'en ai pris deux. Je me suis pas ruinée. J'avais besoin d'un pyjama d'été. Ouais, moi je mets des pyjamas, je suis comme ça, je transpire la nuit, donc j'aime bien porter un pyjama. Donc là, j'ai pris un format, vous voyez, t-shirt avec un zèbre dessus. Ouais, parce que je suis zèbre avant tout. Avec ici un short pyjama aussi. J'ai trouvé ça plutôt sympa. 6 euros le pyjama. Un petit set qui peut servir à nous si jamais nous ne portons pas de soutien-gorge, vous savez. Oh, on va censurer cette vidéo, j'en suis sûre. Quand on ne met pas de soutien-gorge, on a les tétons qui pointent. Donc, on met des choses comme ça, des petits autocollants. En plus, avec ça, il y a un élargisseur de soutien-gorge. Un petit outil ici qui permet, vous savez, de croiser les bretelles dans le dos de n'importe quel soutien-gorge. Donc, voilà, je l'ai acheté. Ça coûte 6 euros le kit. Avec ma fille, nous avons décidé de faire un duo maillot de bain. On s'est acheté le même maillot de bain. Bon, évidemment, ce n'est pas la même taille. Hein. Elle, c'est la première taille. Moi, c'est la dernière taille. Mais nous aurons tout de même le maillot de bain, une pièce. J'ai complètement flashé dessus. La couleur, évidemment, vous savez que j'adore. Avec une peau bien bronzée, ça va être magnifique. Donc, c'est un joli maillot de bain, une pièce, avec un décolleté comme ça, très, très profond. Et je l'ai payé la modique somme de 10 euros le maillot de bain. Pour ma fille, il a exactement la même coupe, le même maillot de bain, mais en rose, là aussi, avec une peau bien bronzée. Ça va être magnifique, lui aussi, à 10 euros. Ma fille aime bien porter des petits crop tops, ce qu'on appelle, vous voyez, elle en a trouvé un comme ça, tout blanc, et le même en noir. Chacun des crop tops coûte 5 euros, donc les deux pour 10 euros. Quand je vais chez Primark, je ne peux pas m'empêcher de passer au rayon beauté. Alors vous savez, il y a en ce moment ces tiroirs en acrylique transparent qui me plaisent beaucoup. Mais pour ça, il faut d'abord que je réorganise ma salle de bain. Donc je sais que là-bas, il y en a. Et lorsque je m'organiserai mieux, il y en a. Et vous verrez, c'est à des prix imbattables. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils ont ces fameux petits tiroirs de rangement de maquillage qui sont top. Ça sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, côté beauté, on va dire, j'ai craqué pour des petites choses. J'ai été assez raisonnable.
J'ai acheté des patchs pour les yeux. Alors celui-ci est jetable. Il coûte 1,50€ avec des petits dessins de fleurs ici. Je vais les essayer. De toute façon, ça pourra pas faire de mal le soir quand on a les yeux fatigués. Mettre des petits patchs comme ça pour les yeux, c'est toujours bien agréable. Et justement, parce que c'est bien agréable, j'en ai acheté d'autres. Alors cela ne se jette pas. Vous savez, ce sont ces sachets qui contiennent du gel. Et on peut les mettre au réfrigérateur, voire même au congélateur. Donc on les a toujours sous la main. Et cela coûte 2€ et c'est réutilisable. On en a toujours besoin. J'ai acheté un set de 3 petites pochettes. Vous voyez celle-ci avec des paillettes. Celle-ci sur laquelle il est noté cocktail time, un peu plus grande. Et enfin celle-là, toute transparente. J'aime bien ces pochettes grandes et transparentes pour mettre dans mon panier de plage, car ça me permet de mettre à l'intérieur mes produits, style l'écran solaire ou quelques produits dont j'ai besoin, un spray rafraîchissant ou autre chose. Et comme ça, je vois à travers ce que j'ai emmené ou pas. Donc ça me permet de ne rien oublier. Et là, le kit des 3 pochettes a coûté 5€. Alors, que pensez-vous de ces achats? Vous voyez plein de petites choses à des prix super intéressants. Je sais, certains vont me dire, Primark, c'est pas de la qualité. Écoutez, moi, pour 3€ un t-shirt, je ne demande pas une méga qualité. Tout ce que je lui demande, c'est de tenir au moins l'été, voire beaucoup plus. Parce que j'ai déjà acheté pas mal de choses chez Primark. Et ça ne dure pas seulement l'été. Vous savez, ces t-shirts qui se déforment au premier lavage, eh bien, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Pourtant, je les passe, je peux vous dire, au sèche-linge. Hein. Donc, côté rétrécissement, ils ont leur compte. Eh bien, ils arrivent à tenir et souvent, ils font même 2 saisons. Donc, pour ces tout petits prix, ça reste toujours hyper intéressant. Moi, je pense d'abord au budget familial. Hein. C'est par là que ça commence quand on a 2 ados à la maison. Ça mange, ça coûte cher. Ça grandit, ça coûte cher aussi. Il faut les habiller. Donc, Primark, pour moi, c'est top. Et vous, êtes-vous aussi adepte de Primark? Enfin, si vous avez la chance d'en avoir un près de chez vous. Alors, ben moi, je suis contente parce que j'ai pas Action, j'ai pas Noz près de chez moi. J'ai la chance, depuis 2 ans, un Primark a ouvert à 50 km de chez moi. Donc je suis super contente, c'est déjà ça. Sinon avant il fallait que j'aille jusqu'à Marseille. Donc maintenant c'est tout près de la maison pour habiller les enfants et puis pour me faire des petits plaisirs aussi, c'est top. Alors et vous? Êtes-vous aussi adepte des Action, Primark et compagnie pour pouvoir acheter des choses à des tout petits prix? Oui je sais, qualité on va me le redire. M'en fiche, ça fera le temps qu'il faut. À ces prix-là, on est moins regardant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, des petits pouces en l'air. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Et puis n'hésitez pas à actionner aussi la petite cloche, ça vous permettra d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Mais aussi n'oubliez pas, le vendredi soir à 18h, nous nous retrouvons en live. Alors chaque vendredi soir, je vous trouve des nouveaux sujets. C'est l'occasion de vous présenter des nouveautés, mes nouveaux achats, des produits que j'ai reçus. Nous en discutons ensemble. C'est l'occasion aussi de poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Retrouvez-moi le vendredi soir à 18h sur YouTube en live. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Non mais vous avez vu tout ce que j'ai acheté? Non mais à ce prix-là, hein, on se prive pas, voilà, on achète. C'est pas qu'on fait pas attention au budget, c'est justement parce qu'on fait attention au budget qu'on va habiller les ados, les enfants chez Primark et puis qu'on se fait au passage aussi des petits plaisirs, que je m'habille aussi là-bas parce que je trouve de vraies pépites, comme ce maillot de bain, ces petites pochettes, enfin bon, il y a plein de choses à découvrir chez Primark, moi je trouve ça génial. Allez, ciao!